Et salut à tous, on se retrouve vite fait pour les multi-invocations que j'ai fait sur le portail de Thales LR. Alors oui, j'avais 200 DS, on va me dire que j'aurais pu paquer pour les 6 ans qui arrivent, hein, j'avais 200 DS. Mais le truc c'est que j'adore tellement Thales que je me suis dit, faut le faire, faut tenter. Du coup, j'ai commencé au début, j'avais regardé le pack, mais le pack est beaucoup beaucoup trop cher, 37 euros pour un ticket avec 3 SSR dedans. Quand je vois certains vidéastes qu'ils ont eu dans leur invocation, ça m'a pas trop donné envie d'aller invoquer, d'aller payer. Surtout, c'est surtout ça, 37 euros pour 3 SSR. Quand je vois certains vidéastes qu'ils ont eu comme SSR, ça m'a pas spécialement donné envie de payer. La première multi, on récupère un sel que je n'avais pas, il est assez bon une fois d'occasion. Mais ce que je cherchais, voilà, c'était surtout un LR que j'avais pas. Je parlais surtout des Baby, Trio GT, le Migaté aussi que j'ai pas, Jiren et Baltalé surtout. Hein. Et pas mal aussi d'anciens LR première génération, le Gohan LR. Yakido de Gohan LR, j'ai pas. Goku SSJ3 Ange que j'ai pas non plus. Par contre, Mighty Mask, Trunks LR, tout ça, j'en voulais pas. Mais bon, j'ai cherché quand même au moins sur 300 DS, on va dire. Parce que j'ai pu farmer derrière encore 100 autres DS, un autre LR, mais bon, comme vous le voyez, hein, j'ai du détecteur, mais bon, c'est pas ouf, 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 quoi, le freezer. Enfin, quoique, je sais pas si le freezer était sur le détecteur. Là, pareil, je me suis fait une petite peur, je crois que c'était Goten, mais non, c'est ce putain de Chaozu de merde. Du coup, j'ai encore tenté, hein, si j'aurais su, j'aurais paqué, hein, clairement, hein, mais bon, c'est pas grave, on va refarmer au fur et à mesure, il me reste encore plein de petites missions, de Goku Rush, etc. Et je crois qu'il me reste en Goku Rush. Par contre, je suis content, voilà, j'ai réussi à avoir le Krillin que je n'avais pas. Je vais pouvoir faire le Battle Royale représentant de l'univers 7. Parce que j'ai aucun leader et je me voyais mal aller farmer le Monaka pour avoir 70% de stats, sachant qu'il est éclaté. Du coup, voilà, pareil, j'ai réussi à farmer ces 50 autres petites DS qui me manquaient pour retenter une dernière multi, mais bon, voilà. C'est pour vous dire à quel point c'était la merde, pas d'animation, rien du tout. Mais bon, je me suis dit, bon, allez. Disons que c'est la vidéo de John Jonan, quand j'ai vu qu'il avait packé Jiren LR, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi. Et j'ai claqué mes 100 dernières DS qui me restaient, mais bon. Voilà, hein. C'était pas solution, solution, solution. Hein. Je comptais espérer au moins récupérer. Je l'ai pas invoqué sur Bojack. Hein. Bojack. Voilà, je l'ai packé malheureusement. Si j'avais réussi au moins, j'aurais invoqué sur Bojack. Il y avait des bonnes cartes sur le truc de Bojack, mais je me dis qu'il reviendra sans doute un jour. Je vais aussi au moins packer 50 DS, puis de farmer 50 DS, me dit pour le Saiyan Day. Peut-être qu'ils vont aussi faire un événement où on pourra packer. Là, j'ai eu peur, je me suis dit, bon, allez, on va tenter quelque chose, mais bon, il n'y a pas eu de Kolode Walida, c'est Chapa là, je sais pas quoi là. Mais bon, pareil, hein, c'est portail légendaire, j'ai envie de vous dire, hein. C'est le main, ça marche très très bien, et puis vous avez moi, malheureusement, il n'y a rien qui tombe, hein. C'est full air, full SR, mais pas le moindre SSR potable, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Rien, rien, rien du tout, voilà, bon bah sur ce, à la prochaine, hein, ciao, hein. Vous êtes...